Information en prend la rue. Daniel Foote, ancien envoyé spécial pays États-Unis en Haïti, semblait mettre deux pieds FBI dans un seul grain de soulier avec Ariel Henry. Oui, Daniel Foote qui publiait une information apparemment FBI pas souhaité qu'il rende public à Ariel Henry qui semblait, selon Daniel Foote, avoir gagné plusieurs agents FBI la Kylie dans ce maintenant qui t'a posé la question sous assassinat Jovenel Moïse. Daniel Foote a fait un tweet, il met nouvelle là-dedans, journal Miami Herald a démenti. Sans le pas citer non, Daniel Foote qui s'abagaille vendredi 7 avril 2023 ça, Daniel Foote qui très actif sur les réseaux sociaux, monsieur, et fait un tweet à côté que Lydie moi pral li pour nous mesdames messieurs, et Lydie dans tweet ça en français et en créole, moi tendez nan yon bon source que FBI t'es interrogé de facto Ariel Henry. Et semaine ça, dans KIPM, côté l'été rencontré tout, suspect assassinat Joseph Badjo. Est-ce que l'été partagé information ça à peuple haïtien? Alors, il y a une ambiguïté dans le tweet et Daniel Foote là. C'est côté l'été dit, dans KIPM, côté l'été rencontré tout, suspect assassinat Joseph Félix Badjo. Est-ce que Daniel Foote a parlé et Neldi Lia? Il parlait de Ariel Henry qui t'a rencontré Badjo parce que n'a pas rappelé que il y a une nouvelle, il y a plusieurs articles et reportages médias étrangers qui t'ont fait qui t'ont montré que Ariel Henry t'a gagné Badjo la Kali. Ou bien est-ce que Daniel Foote a parlé de FBI, il a dit l'IA qui t'a rencontré Badjo tout dans Kai Ariel Henry pendant qu'on t'a interrogé Ariel Henry? Eh bien, après tout ça, journal Miami Herald qui couvre le dossier ça en pile avec un article de Jacqueline Charles. Pral sorti yon article un moment après côté que journal la pral démenti Daniel Foote sans pas citer non mais sans tout li pas citer aucune source dans FBI qui démenti. Est-ce que nous comprenons? Après Daniel Foote vendredi ça 7 avril fin dit que FBI posé Ariel Henry en pile question, li mandé Ariel Henry est-ce qu'il t'ai partagé information ça avec peuple haïtien, li dit que yo t'étendé Ariel Miami Herald démenti Daniel Foote, sans le pas citer non Daniel Foote, mais tout le monde connaissait de Daniel Foote la parler parce que c'est grand monde qui met nouvelles à deux. En même temps, Miami Herald pas bail non source, personne monde FBI qui démenti information ça. Qui ça Miami Herald dit dans l'article que me pral bail parti qui plus important pour nous commencer rapido presto. Miami Herald dit dans l'article que moi gain devant là et passage ça qui dit alors que FBI interroge 4 dans mercenaires colombiens qui ferment dans la pénitentiaire nationale, contrairement à ce qu'a dit sur réseau social, agent FBI yo pas interrogé premier ministre Ariel Henry qui au contraire appuyé enquête États-Unis. Miami Herald dit pendant que en pile mon a dit que agent FBI yo t'étendé Ariel Henry, c'est pas vrai. Au contraire, c'est 4 nan mercenaires colombiens qui sont en prison Haïti yo que agent FBI a étendé et Miami Herald dit au contraire Ariel Henry li appuyé enquête États-Unis a fait sur assassinat Jovenel Moïse là. Miami Herald continue pour le dire, Ariel Henry récemment li té autorisé États-Unis transférer 4 suspects qui sont en prison Haïti pour aller juger dans pays États-Unis. Kounia, article la poursuit pour le dire, le lendemain interrogatoire suspect sa yo, 4 prisonniers colombiens qui sont en prison Haïti, agent FBI a été visité résidence défunt président Jovenel Moïse dans le quartier Pèlerin 5, accompagné de yon juge instruction haïtien, Walter Wesser Voltaire, qui lui-même te mené propre enquête li et à côté sous dossier ça. Visite agent FBI a li coïncidé, l'amnami Amiral, avec plaidoyer culpabilité devant tribunal fédéral Miami que homme d'affaires trafiquant drogue Rudolf Jahr t'es fait. Songez m'te font une vidéo dernièrement pour m'te dire nous selon information que m'te gagné, c'est suite à information que Rudolf Jahr t'es by FBI nouvel indice qui t'es fait entrer en Haïti vin dans cage Jovenel là. M'te dit ça, Miami Herald dit même bagala là. Il dit c'est après que et Rudolf Jahr fin plaide coupable devant tribunal fédéral à Miami et que FBI entré en Haïti vient non seulement interroger 4
nouveau mercenaire colombien qui dans pénitencier et puis aller caille Jovenel. Rudolf Jarre, selon Miami Herald, lui fournit information privilégiée by FBI sous façon lui te fournit soutien, logement, etc. by ancien mercenaire pour arriver touye Jovenel Moïse. L'autre bagaille qui va dire natique ça, yo pas trop intéressé nous n'a campé là pour nous parler kounya. Pour qui ça Miami Herald démenti information Daniel Foot là, même les encore moins précisé que le parlons de Daniel Foot sans pas citer aucun monde FBI. Qui doit Miami Herald en tant que journal pour démentir information ça sans pas dire selon une source dans FBI. Il prend en pile précaution pour pas jamais dire dans l'article là que c'est FBI qui démentit. Donc ça c'est un démenti que journal américain assumé pour contre lui. Pour qui raison c'est tout de suite après tweet Daniel Foot là et FBI lui-même ou bien autorité américaine pas démenti ouvertement. Est-ce que c'est une information que autorité fédérale américaine FBI pas voulait prendre la rue à savoir interrogatoire et Ariel Henry selon ça Daniel Foot dit et que kounya information Daniel Foot là vin météo dans embarras. Faut nous rappeler Daniel Foot mettait le gouvernement américain en embarras déjà avec un pile information le tebay l'était ambassadeur Haïti en Haïti en tant qu'envoyé spécial après assassinat Jovenel Moïse. Monsieur était accusé États-Unis d'un paquet de bagages, dit États-Unis qui mettait Haïti dans sa lié là. Monsieur dit que États-Unis a manipulé les politiques Haïti sans par exemple solution, etc. etc. Il était même posé question de demander pourquoi les États-Unis quittaient Ariel Henry sous pouvoir alors que non cité avec un pile éléments qui compromettent lui dans l'assassinat Jovenel Moïse. Moi trouvé article Miami Herald là suspect. Pour qui ça? Parce que journal là qui était dit contrairement à ça qu'a dit sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Mais qui doit journal là à partir qui élément information pour le démentir? Oui, Miami Herald affirme il précise que FBI tendait Colombien sans pas citer aucune source dans FBI. D'ailleurs, il pas cité aucune source du tout du tout du tout. Donc même ça Daniel Foot dit, il dit selon source là li apprend que FBI était la caille Ariel Henry pour tandel Miami Herald pas même dit ça lui même li seulement dit que yo tande quatre nouveaux mercenaires colombiens qui dans prison et mais yo pas tande Ariel Henry vrai. Moi même c'est journaliste, moi travaille avec médias étrangers, moi comprendre comment ça fonctionne. Ça va dire là c'est pas ça qui fait mais c'est une théorie. Moi connais souvent ça qu'on rive dans enquête, log une source surtout officielle ou bien officieuse tout, sous cela qu'on négocie avec eux. Sous ça qu'on dit m'a continuer ba ou m'a botté l'information mais faut ou aider dans point ça. Par exemple, ça qu'arrivé que m'en contact avec ou source, li ban mon information important mais dit m'gon information qui a circulé, faut me démentir pour lui. Moi pas dit si ça qui fait dans Miami Herald avec FBI très loin de là, mais moi trouvé que parti ça dans article Miami Herald là, li et gan pile doute. Pour qui ça? Parce que non seulement Miami Herald vient pour dire que yo tande quatre colombiens, li pa bay aucun élément, aucune source dans FBI qui dit ça ni au niveau gouvernement, mais en plus il démenti information yon moun en tout cas et qui crédible qui c'est Daniel Foot qui était en Haïti qui connaît qui gen source li, il démenti sans pas dire qu'il même qui côté information pas la sorti. Donc, j'aime toujours dire au début et m'a toujours été très sceptique en ce qui a trait à enquête ça, enquête internationale ça parce que c'était deux voix pas nous pour nous mener enquête, pour nous marrer, vagabond, sans sale, tout plimaille, qui touillait Jovenel Moïse, même laisse son criminel culté, mais place libre, dit, c'était dans la prison, il n'y a pas de assassiner comme ça, parce que assassiner un président ici, même laisse ton délinquant, c'est assassiner, pas parce qu'il était bon monde, mais parce que si un président, la calica mourit facile comme ça, tout haïtien qui est en Haïti, ou spécialement, il mourit déjà. Donc, pas vraiment quoi, OK, m'dou di intérêt international pas intérêt pas nous, c'est nous-mêmes qui pouvons régler affaire nous. Mais comme depuis demain mar avec un pile pourri qui est la tête pays, yo fin impliqué dans assassiner président, c'est yo encore qui mène enquête là, nous pas jamais contact passé à vrai. Kounia, États-Unis et s'il veut dans salle junior qui partager avec nous, c'est pour sous bonne volonté mais pas doué nous ça. Donc si FBI tendait Ariel Henry vrai, Jean Daniel Foot laisser comprendre rien, est-ce que bon bagage va changer? Moi pas fin surtout. Parce que, moi dis li, dans le pays États-Unis, notamment, dans n'importe quelle petite ville, si y a une autorité qui cite avec quelques éléments de preuve ou bien d'indices à l'appui, qui montre que l'officiel, sa autorité, sa ligne impliquée, même accidentellement dans la mort, un chien
il a fait démissionner pour enquête la caméne, si vous le reprenez pour s'il a reprenez pour s'il après, les disculpez. Alors que en Haïti, non, Ariel Henry cité, États-Unis campé derrière, raide. Donc, il va pas régler rien pour vous, c'est notre tenté à passer, non. Ça, c'est mon opinion. M'a suivi dossier pour nous, sérieusement, parce que ça, il intéresse moins. M'a pas pour ça, Miami Amiral démenti Daniel Foot, sans pas citer noni, alors qu'il va venir avec rien vraiment de neuf passer ça, ou bien aucune source solide. À bientôt, mesdames, messieurs, d'avoir plus d'éléments sous Channel Pierre Richard Midi YouTube, sous page Midi Pierre Richard Facebook. Bye bye.